has to be alright. Now I can see exactly who you are pretending we used to be. Alright. Yo les gars, c'est le cas du Python Animation et vous n'imaginez même pas à quel point je suis hypé, mais en même temps déçu de cette putain d'annonce qu'on a eue ce week-end. Et oui, vous devez sûrement le savoir, il y a eu une annonce au sujet d'une nouvelle série animée pour IQ lors de la Jump Festa 2018. On a eu plein d'animés qui ont été annoncés, ça va être vachement cool, mais qu'en est-il pour IQ? Twitter ainsi que tous les réseaux sociaux se sont enflammés en disant que ça allait être une nouvelle saison. Même Wakanim l'avait dit, mais finalement ils sont vite revenus sur leur tweet en disant que ce n'était qu'une nouvelle annonce de série, qu'on avait très peu d'informations à ce sujet. Et oui, parce que contrairement au titre de cette vidéo qui est très acquigeur, il faut savoir que ce n'est pas du tout une saison 4 qui a été annoncée, du moins pour le moment. En fait, il y a deux possibilités. Mille merci à Ibiki qui m'a permis d'en savoir plus sur cette annonce. J'ai également consulté le site Notiljon ainsi que Adala News comme d'habitude. Il y a deux possibilités. Soit IQ aura effectivement une nouvelle saison. Une nouvelle saison, donc la quatrième, qui adaptera tout ce qui se passe après le volume 23 à peu près, 24, je ne sais plus. Et donc ça va être vachement intéressant. Ou alors on aura une espèce d'hors-série, un spin-off je pense. Une adaptation cette fois-ci du light novel IQ, enfin du roman IQ, qui sort au Japon. IQ Show Setsuban. On ne sait pas du tout quelle sera l'adaptation que l'on aura. Mais j'espère de tout cœur que ce sera la saison 4. Parce que vous n'imaginez même pas à quel point je kiffe cette animé, on est sûrement très nombreux à attendre ça avec impatience. Vous avez depuis tout à l'heure à l'écran l'espèce de preview qui annonce en fait cette nouvelle série. Donc il n'y a pas le son pour les droits d'auteur, etc. Mais vous l'avez en description, vous le savez bien. Et également, vous avez les sites sur lesquels j'ai pu me renseigner. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, on aura plus d'informations seulement le 22 septembre 2019, soit dans environ 9 mois, donc c'est énorme. Et ça va être très dur d'attendre. Dans tous les cas, ça fait ultra plaisir de se dire que IQ aura bien une suite animée ou un nouveau animé dans le même univers. Ça fait ultra plaisir parce qu'on avait eu un silence radio pendant pas mal de temps finalement. Et donc c'est au bout de 5 ans qu'on a le droit à ça et ça fait ultra plaisir. Bref, j'espère que vous kiffez ce genre de petite vidéo qui récapitule un peu ce qui se passe. Je vais en faire un maximum, ça demande pas beaucoup de temps et en plus je trouve ça intéressant et c'est ce que vous avez l'air de kiffer aussi. Bref, j'en dis pas plus, c'était le cas du Baton d'animation et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Les soldats, je vous souhaite tous d'excellentes fêtes, profitez un maximum et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.